Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Batibo 2017. Alors très heureux de vous retrouver, je suis avec Gaëtan de chez Teka. Et on va vous présenter ici une nouveauté, alors une nouvelle taque de cuisson induction. Merci beaucoup Gaëtan de nous accueillir. Mais de rien. Alors explique-nous un peu quelle est la particularité de cette taque. Alors la particularité de cette taque, donc déjà c'est une taque de 90 cm. La particularité c'est qu'elle possède un écran TFT de 7 pouces, donc unique sur le marché. Tout est tactile, donc c'est un peu le même principe que pour un four tactile, mais sur une taque. Donc très facile d'utilisation, on utilise, tout se fait avec un doigt, c'est la facilité. Donc voilà, je tire dessus et avec un mouvement circulaire du doigt, je choisis la puissance. Donc là on a 1, 2, 3, 4 zones, une grande zone rectangulaire sur laquelle on peut mettre une grande ou deux grandes casseroles, oui. Et une immense zone ici de 28 cm. Exactement, c'est pour les vraiment les très grandes casseroles, par exemple pour un plat de pâtes, pour une belle famille. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec cet écran TFT? Il est, je présume, couleur complètement. Il est couleur complètement, et ce qu'on a, c'est... Ça fonctionne sous Android. Ah, oui, effectivement. Donc par exemple, on a les recettes. Oui. Donc des recettes qui sont incluses dedans. Il y a plusieurs choses. Donc on a soit les recettes pour la semaine, on peut les mettre au jour le jour. Oui. Soit mes propres recettes, okay, pour encoder. Quoi. Oui. Okay. Soit un livre de recettes. Donc on peut choisir soit l'entrée le plat ou le dessert. On va prendre... Oops. Et on a vraiment la recette qui est... On a les recettes. On a d'abord les ingrédients, ce qu'il faut. Donc c'est vraiment comme un chef à domicile. Ici, les recettes sont incorporées. On pourrait imaginer qu'avec son smartphone, on vienne rajouter des recettes ou c'est pas encore prévu? C'est prévu, mais c'est pas pour l'instant. On va résumer ça. Une grande taque de cuisson induction de 90 cm. Bah, apparemment, très flexible, bien évidemment. Et donc avec un écran TFT de 7 pouces. Full color, exactement. Et on a ses propres recettes à l'intérieur. On a les propres recettes, donc ça dit vraiment ce qu'il faut acheter. Avec les dosages. Les ingrédients, ok. Le descriptif. Le descriptif, comment il faut la cuire. Et donc après, il y a juste à suivre ça. En fait, cette taque, c'est un chef à domicile. Voilà la première nouveauté avec la taque de cuisson induction et l'écran TFT. Alors, on va passer voir une nouveauté. Je l'ai déjà vue à Cologne, je ne vais pas vous mentir. C'est la nouvelle machine à café Teka. On est devant les machines à café. Alors, il y en a quatre, c'est quatre mêmes appareils. Je pense que vous voulez vraiment marquer un grand coup avec cette machine à café. Hein. En effet, donc c'est le but de marquer un gros coup avec ceci. Alors, en quoi elle est différente des autres appareils? Déjà par son design, qui est exactement le même que celui de nos fours. Deuxièmement, parce que comme on peut voir ici, c'est un système de dosettes. Donc ça marche avec 5 dosettes différentes, que ce soit Senseo, Nespresso, Lavazza. Donc c'est vraiment une machine professionnelle pour usage domestique. Okay, donc on met les capsules, ça fait le café, on peut mettre du café moulu aussi dedans ou pas, c'est pas son but à la base? On peut également mettre du café moulu dedans. Oui. Donc il y a juste le café à grains qui n'est pas dedans, donc il n'y a pas de souci avec tout ce qui est machinerie pour le moulin, etc. Voilà. Ici, ce que nous avons, c'est pour le Nespresso. Alors, comment ça se passe? Ici en dessous. Alors, je vois déjà que tu viens d'ouvrir ceci parce qu'on va avoir des questions, je veux les anticiper. La machine de base en haut, c'est bien une machine de 45 cm de haut. Il ne faut pas un meuble spécial. Non. C'est standard. Okay, c'est 45 cm. Ok, donc là, tu as une petite capsule, tu as différentes sortes. Donc, on a différentes sortes de capsules. Donc, celle-ci qui ressemble à du Nespresso. On la met par au-dessus. On la met par au-dessus, tout simplement. On clipse. Alors, vous avez déjà vu un espace de rangement ici. On a également deux espaces de rangement ici et ici. Ah, c'est très sympa, ça. Pour mettre les... Les gobelets, pour les mettre tasses. Les gobelets ou les tasses. Ce n'est pas chauffant, c'est uniquement rangement, Gaëtan. C'est uniquement rangement. C'est uniquement rangement. Est-ce que tu sais me dire les barres de la machine? 19 barres. 19 barres, donc oui. Comme une Nespresso. Donc, on choisit quel genre de tasse on veut. Donc, plus petite, un ristretto, grande tasse ou quoi. On appuie juste sur play. Ah, on a la température du café, ok. Donc elle est montée en pression. Une fois que c'est fini, hops. La petite poubelle. Petit espace pour ranger. Oui, ça sera plus facile dans la cuisine à mon avis. Oui, hein, voilà. Plus facile. On range. Voilà, on est sur un stand ici. Après, il n'y a plus qu'à enlever ceci. Et en fait, pour l'eau, c'est la même chose. C'est le réservoir ici. On peut mettre ceci. Alors les privilèges de la caméra et de la vidéo nous emmènent dans des endroits secrets. Donc en fait, Küpersbusch a lancé une gamme qui est à mon avis encore un peu confidentielle. Vous connaissez tous la marque, c'est une très grande marque d'électroménager que vous retrouvez dans notre showroom. Mais là, une toute nouvelle ligne, Gaëtan, deux couleurs. Explique-nous un peu ce qui a changé par rapport à la gamme actuelle connue de chez Küpersbusch. Alors chez Küpersbusch, on joue essentiellement sur le design.
Donc, ce qui va changer dans la nouvelle gamme en 2017, c'est vraiment le design des fours. Donc, ce qu'on aura au niveau des poignées sont des poignées plus fines que la gamme actuelle. Une bandette ici également plus fine pour vraiment que le design sorte, le design au four sorte dans la... Alors, je me permets, je vois que le display a changé. Et surtout, et là, on doit quand même être franc, il y avait des clients qui critiquaient un peu, la couleur a changé. Alors, vous allez me dire, c'est un détail, mais c'est plus rouge. C'est plus rouge. C'est plus rouge, donc on n'est plus dans les années 80, mais non, on est vraiment de plein pied dans le 21e siècle. Donc c'est vraiment, le display est beaucoup plus grand que dans les fours actuels. De nouveau, le même système assez facile d'utilisation. C'est le même système, c'est vraiment très très simple d'utilisation. On choisit, on appuie sur OK, on choisit sa température. L'intérieur des fours a donc changé également, ils sont un peu plus grands. L'intérieur des fours a gagné 20% par rapport... nos fours précédents. Ils sont combien de litres maintenant? Maintenant, on passe sur du 70 litres à l'intérieur de nos fours. Rappelons qu'on était dans du 65 litres dans les fours précédents. Exactement. Hein. Okay. Donc ça, c'est, ouais, c'est pour les fours de 60. La gamme est complète ou c'est encore un début? C'est-à-dire que là, on a le 60. Là, je vois un four combiné micro-ondes de 45 cm et le tiroir, et tiroir chauffant. La gamme va encore s'étoffer? La gamme va encore s'étoffer. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a en exclusivité sur Batibo. Tout à fait. La gamme en elle-même va rentrer sur le marché en septembre. Donc là, on va vraiment faire un lancement pour la gamme complète à ce moment-là de Cooper's Bush. Important de montrer également la nouvelle couleur. Alors, tu m'as dit tantôt, c'est du blanc-gris. C'est du blanc-gris, oui. Parce qu'on s'est rendu compte chez Cooper's Bush qu'avoir le même blanc sur son four et que dans la cuisine, c'était assez compliqué. On a décidé de lancer cette gamme-là pour changer de couleur, pour vraiment avoir un contraste entre nos fours. Dans ce coloris-là, la gamme sera également complète comme dans les fours noirs, évidemment. La gamme sera également complète comme dans les fours noirs, oui. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous avoue, je ne me suis jamais senti aussi petit face à la caméra à côté de Gaëtan. Des très belles nouveautés chez TK et chez Cooper's Bush. Bientôt à découvrir en magasin. Merci beaucoup Gaëtan de nous avoir accueillis sur le stand. Mais de rien, le plaisir était pour moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, laisser des liens, liker, partager YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos à Batibo. Ciao.